Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est pas un unboxing parce que je ne l'ai pas reçu au courrier. C'est un petit haul, voilà, de Diamond Painting. J'ai été chercher ce matin avec Chouchou au marché de Boussu en Belgique avec la boutique Fun Mania. J'ai été chercher un kit que l'on leur avait fait mettre de côté. Voilà. Ils ont plein de nouveautés en ce moment. N'hésitez pas à les découvrir. Je vous mets en barre d'infos le lien du site internet et le lien de leur page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner pour recevoir l'actualité en direct. Voilà. Ils ont de superbes DP. Je vous en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Et là, on avait craqué sur un autre DP. Donc, c'est un 50-60. Voilà, avec des perles rondes. Donc, après, je vais vous dire après combien de couleurs, parce que je ne l'ai pas encore déballé. Mais le voici. Donc, toujours emballé dans les boîtes transparentes. Et je vais vous montrer en détail, face bureau, le kit et les couleurs que l'on a avec ce kit. À tout Donc de voilà, bon, suite! j'ai tout déballé comme ça pour éviter de faire trop de bruit et que la vidéo dure trop longtemps également. Donc voilà, je vous montre le dessin. Je vous le fais déjà découvrir parce qu'il est tellement beau. Regardez-moi ça. Une vraie beauté. J'adore. On va avoir dans le kit, bien sûr, le petit tool kit hein, avec le stylet, le plateau, le petit carré de glue rouge, comme d'habitude. Et on a 23 couleurs. Donc, je vais vous faire découvrir les couleurs, dont une qui, vous devinez laquelle, la 310. Là, on va avoir de quoi faire. Alors. Alors, un marron, un noir, deux noirs, trois noirs, quatre noirs, cinq noirs, un rouge, encore un marron, un gris, un beige, on va dire café au lait un peu, marron, un autre, couleur vanille. Marron, bordeaux, rouge. Bon, de temps en temps, il y a une petite perle qui se promène là, mais c'est pas grave du tout. Beige, un gris. Là, c'est un marron foncé, je pense. J'ai du mal à le voir. Voilà. Et le deuxième chapelet, voilà, encore un marron ou gris très foncé. Une autre sorte de vanille, marron, un jaune pâle, un beige rosé et ici un autre beige. Donc voilà les couleurs. Elles sont très très belles. Avec un joli camaïeu de marron. Je rangerai mes perles après. Et voici le kit. Alors, je vous rappelle que c'est une taille 50-60. Voilà. C'est un 50-60. En perles rondes. Donc. Alors, hop, voilà. Si ça floute, ça ne le fait pas. Alors, je vais vous mettre. Voilà, comme ça, ce sera plus facile. Regardez-moi ce joli aigle. Le visage également est superbe. Là, le tatouage qu'elle a en forme d'aigle. Et vous voyez, le fond, il y a beaucoup de noir. Alors, ici, on va retrouver la photo
du kit. Je vais vous montrer de plus près. La légende, on l'a à droite et à gauche. Voilà. Voilà la photo. Et ici, donc, on a notre légende avec nos symboles faits avec des chiffres et des lettres majuscules. Donc, ça va être très lisible. Et à côté, nos couleurs DMC, bien sûr. Voilà. En bas, vous allez retrouver comment faire votre DP, ici en image. Et là, c'est en anglais. Niveau impression du kit. Alors, bon, le noir, alors le 310, c'est un 1. Mais bon, là, ça va parce qu'on voit bien le noir. Hein. Et sinon, niveau des couleurs, regardez. Pas de problème d'impression. Hein. C'est nickel. Juste peut-être un tout petit peu le 1, là, qui aurait dû être un peu plus blanc, mais bon, on le voit. Niveau colle, il y a ce qu'il faut. Niveau du dessin, il n'y a pas... il y a un peu de confetti, mais très, 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 très peu. Voilà, je vous montre. Vous voyez, c'est pas... Ça va, hein, c'est pas énorme. Et où est-ce qu'on peut en trouver encore un peu? Peut-être ici dans l'aigle. Mais vraiment, non. Il y a beaucoup de blocs. Il y a beaucoup de blocs. Donc voilà. Perle ronde. Son petit toolkit. Le kit en lui-même. Donc 50-60, pour une fois ça, il est un peu plus grand que d'habitude, hein, de ce qu'on choisit, mais là il était trop trop beau. Vous retrouvez donc la boutique Funmania, donc je vous ai dit, sur Facebook. Vous les retrouvez sur leur site internet et vous les retrouvez dans de nombreux marchés en Belgique. Vous avez la liste des marchés où ils vont sur leur page Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est deux personnes super sympas, très à l'écoute, très agréable. Voilà, je vais vous laisser donc pour aujourd'hui, et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.